bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont restés tardivement à l'écoute pour nous. Bonsoir pour ce premier post-scriptum, puisque c'est pour nous, et je l'espère pour vous aussi, une grande première. Pierre Lattès, je crois qu'il faut que nous expliquions un petit peu ce que sera post-scriptum, une émission qui sera en direct dans ce petit café littéraire que nous avons reconstitué ce soir. Tous les mercredis, tous ceux qui aiment les livres pourront venir en parler avec nous. Et nous disons bien tous ceux, parce que si en ce moment vous êtes en train de vous dire « Oh, j'aimerais bien parler de tel livre que j'ai trouvé excellent, mais je ne sais pas comment le faire », eh bien vous écrivez à Postscriptum, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e. Et si votre lettre est tout de même un petit peu claire, car il ne suffit pas de nous dire « Je voudrais venir vous parler de tel livre », mais nous dire « Voilà pourquoi je l'aime ou pourquoi je le déteste », car vous pouvez aussi venir nous dire que vous détestez un livre, eh bien vous aurez une chance de venir même de province, car nous vous offrirons le voyage très généreusement pour venir un soir avec nous. Je crois que ça c'est très important, parce que le but de cette émission, son rôle, c'est d'être une émission critique. Une émission critique, c'est-à-dire que dans cette énorme actualité littéraire, et surtout en ce moment, nous avons demandé à certaines personnes, à des critiques professionnelles ou à des gens qui n'étaient pas des critiques professionnelles, de venir nous parler d'un livre qu'ils aimaient ou même d'un livre qu'ils détestaient. Et il y aura le challenger, il y aura des gens qui aimeront, des gens qui n'aimeront pas, et ça va être le cas ce soir. Comme cette actualité. Il faut bien vous dire que tout le monde peut parler d'un livre, et même souvent un auteur peut nous dire, mais vous savez, c'est ma grand-mère qui a été la meilleure lectrice de mon livre, ou même c'est ma concierge ou ma boulangère. Et je crois que souvent nous aurons de bonnes surprises comme ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui nous disent, j'ai reçu une lettre merveilleuse de province d'un monsieur qui a très bien compris mon livre. Eh bien voilà une occasion de venir réparer parfois une injustice. C'est comme ça que les libraires, les éditeurs, les directeurs de collections littéraires pourront amener leurs poulains, pourront dire le livre de la semaine qu'ils ont préféré. C'est ça, et cette actualité... Les bibliothécaires municipaux peuvent venir aussi. Important. Nous leur signalons que nous les accueillerons volontiers. Alors je crois qu'il faut peut-être dire que ce soir nous avons parmi nous une brillante assemblée. Je crois qu'on peut les citer. Vous aurez François Truffaut, Lucien Bodard, Michel Courneau, Nella Bielski, Patricia Finali, Pierre Bourjat, Jacqueline Barre, Dominique Deroux. Il y a là quelques attachés de presse de maisons d'édition que nous vous présenterons au passage. Beaucoup d'autres amis qui sont là, je dois en oublier quelques-uns d'ailleurs. Et Jean-Claude Silberstein qui est à côté de nous pour nous parler de quelques livres et d'un roman policier. Virginie servira à chacun à boire. Vous pouvez d'ailleurs déjà aller leur offrir à boire. Virginie, j'espère que s'ils ont bu, ils seront plus prolixes et plus bavards. Et puis on pourrait peut-être maintenant commencer. Oui, nous avons aussi un journal qui vient de sortir... qui sort demain matin, voilà, là, vous en aurez la primeur, chers téléspectateurs, ce soir, c'est Actuel, qui est un journal de l'Underground. Et Actuel, c'est son premier numéro, c'est Patrick Rambaud qui est là ce soir, qui nous l'a amené, il est le critique littéraire d'Actuel. Du souterrain, si vous préférez, pour ne pas Underground, parler Underground, c'est souterrain, c'est ça. Bon, alors eh bien, il y a une énorme activité littéraire, et je crois qu'on pourrait tout de suite commencer par le premier des livres de cette soirée, et c'est un livre qui est paru aujourd'hui. Le voilà. Il tombe fort bien. Je le cherchais. Eh bien, le voilà, c'est le Gay Ghetto. Le Gay Ghetto, un titre assez bizarre, vous allez dire. Le Gay Ghetto, c'est de Patricia Finali. Patricia Finali, nous la connaissons très bien, mais on vous la présentera après, puisqu'ici, les auteurs n'ont pas tellement la parole, ce sont ceux qui aiment les livres, et les auteurs n'aiment pas forcément leurs propres livres, d'ailleurs, elle nous le dira tout à l'heure. Voilà, Patricia Finali, vous la voyez là comme ça, puis vous la verrez en réalité aussi. C'est chez Gallimard, et c'est Lucien Bodard qui va nous dire pourquoi il a choisi ce livre et pourquoi il l'aime. Oui, ou je ne sais pas, peut-être qu'il le déteste. Hein. Ah non, je l'aime bien. Non, c'est un livre courageux, il casse toutes les cabanes. Parce que Patricia Finali, je l'ai connue, vous voyez ce diablotin rouge là, ben, je l'ai connue dans une soirée mondaine chez les gens, elle tenait des discours, et tout le monde se tordait parce que c'était absolument marrant. Elle a un sens de l'épithète, du vocabulaire, de l'adverbe, de la grossièreté, qui est absolument fantastique, et elle démolit tout le monde en même temps. Et puis... Sauf mes amis. Sauf vos amis. Mais à l'époque du bouquin, vous n'aviez pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Enfin, d'après ce que vous décrivez. Et pourtant, le sujet devrait être triste, profondément triste. C'est l'enfance d'une fillette juive, allemande, dans la France occupée, menacée par tous les dangers, avec son père disparu en Allemagne dans les camps de concentration et probablement dans les fours crématoires, avec autour d'elle... une famille lointaine qui apparaît ou qui disparaît et qui erre de camp en camp, d'institution en institution, toujours menacée à chaque instant d'être raflée et déportée. Alors, Finali, au fond, se défend contre ça par la rigolade. Elle veut rien prendre au sérieux, elle veut rien prendre au sacré, elle veut croire en rien. Et alors, elle le décrit, comme dans un film de Charlot, c'est le seul qu'elle admire. Elle, à son échelle, c'est un petit Charlot. Elle décrit la succession de ses aventures. Elle est en main de toutes sortes de gens bien intentionnés, qui l'aiment plus ou moins, mais les condamnent parce qu'ils n'ont pas de tendresse profonde. Elle ne dit pas qu'elle le recherche d'ailleurs, parce qu'à ce point de vue-là, elle a sa pudeur. Sa pudeur, c'est la provocation, c'est la blague,
c'est de casser la cabane, c'est de croire qu'aux choses profondément immédiates et matérielles, par exemple, la bouffe et l'argent. L'argent, je crois, très, très important. Beaucoup dans le livre. Oui, oui. Mais alors, se termine en disant, j'espère que ce bouquin va me rapporter de l'argent. C'est fait pour ça. C'est fait pour le fond. Mais c'est pas vrai, parce qu'on n'en a jamais gagné de sa vie. L'argent, on peut essayer. Mais je ne sais pas. L'argent, c'est un prétexte pour démolir cabane. C'est la cabane, c'est son plaisir. Alors, vous avez c'est bien de démolir une cabane en gagnant de l'argent, voilà. Il y a un côté zazie dans le livre, non? Il y a un côté zazie, oui, mais plus profond, parce que quand même, c'est une fillette assez désespérée. Il faut se rappeler quand même sa situation. Mais ça, elle n'en parle jamais. Ça, de loin en loin, on s'aperçoit par une ligne qu'effectivement, dans l'école où quand on était, on a ramassé un certain nombre de goffes juifs qui partent, mais elle n'en est pas parce que c'est une Allemande qui est polonaise, qui est française, on ne sait pas, elle n'a pas de papier, elle rien, elle s'en tire. D'ailleurs, la préoccupation de ses papiers, des papiers d'identité, la marque encore. Maintenant, ce qu'elle souhaite, c'est en avoir. Est-ce que vous... Alors, au milieu de toutes ces aventures, elle décrit le monde qu'elle traverse. C'est le monde des directeurs d'institution, le monde des bonnes sœurs, le monde des paysans, parce qu'elle n'a plus de l'assistance publique. Alors là, elle a, pour sentir les défauts des gens et les faiblesses des gens, un verve et un talent absolument extraordinaire. Et particulièrement, il y a un portrait de M. Sifflet, qui est un chef-d'œuvre. M. Sifflet, c'est le rouge du patelin. Et M. Sifflet, il hait tout le monde encore plus qu'elle. Il le déteste, le monde entier. En réalité, c'est un bon radical, si vous voulez. Il est rouge parce qu'il n'aime pas le radical. Mais alors, elle... Ils s'entendent d'abord bien, à condition qu'on l'appelle Nénette, parce que M. Sifflet, une fille, ça ne peut s'appeler que Nénette. Et ensuite, M. Sifflet exige qu'on travaille. Alors elle, finalement, elle n'est plus d'accord, parce qu'elle ne veut pas travailler. Elle déteste travailler. Elle met son art à ne pas travailler. Et alors le bouquin se poursuit. Elle n'épargne personne. Dans la première partie, elle a plutôt affaire à des gens pauvres. Alors ce sont les gens pauvres qui trinquent. Dans la seconde partie, elle a plutôt affaire à des gens riches. Il y a des juifs. Parce que toutes ses œuvres sont plus ou moins patronnées par des organisations israélites, puisqu'elle est israélite elle-même. Alors dans la première partie, ça ne se voit pas trop parce que c'est lointain, il y a l'interférence de Vichy. Dans la seconde partie, elle est directement liée aux grandes organisations israélites. Mais l'organisation israélite, c'est quelque chose de supérieur qui la domine. Tout ce qui la domine, ça lui casse les pieds. Donc elle les démolit successivement, les uns après les autres. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite vengeance personnelle qui couvait depuis très longtemps. Et moi, je me suis presque étonné qu'elle ait couvé pendant si longtemps. C'est-à-dire, non, c'est pas vraiment une vengeance. C'est-à-dire que c'est les gens que je voyais, je parle de la deuxième partie, de ces fameux rupins chez qui je faisais le pauvre le samedi. C'était des gens dont j'avais rien à foutre. Finalement, j'y allais pour aller au cinéma. Enfin, je racontais que j'aimais la peinture en espérant tout ça. C'est pas une vengeance. Je l'ai raconté dans des bistrots à des gens. Je l'ai raconté à Jean-Louis Godard avec qui j'ai travaillé. Je l'ai raconté à Jacques Rivette, à des tas de gens. Et qui m'ont dit, au fond, tu devrais l'écrire. Et puis je me suis dit, voilà. S'il y a un moyen de gagner du fric avec ça, faisons-le. Quel effet est-ce que ça fait un premier roman publié, puisqu'on n'a pas dit, mais c'est un premier roman qui sort aujourd'hui. Le fait de le voir tout beau, la couverture brillante, verte et rouge, comme ça. Je sais pas, j'ai assisté tellement à des premières de gens, de cinéma, que j'ai l'impression que c'est le film, un livre de Godard, par exemple. Enfin, ça me fait exactement le même effet, je suis émue. Pareil que quand je vais la première fois à un film ou comme ça. André Labarbe, vous l'avez lu, ce livre de Patricia ? Ben, oui, je peux dire même que je l'ai vu écrire. 10 pages par 10 pages, à peu près, oui. Ça a mis combien de temps à écrire ce premier roman ? Ah, ça a été par à-coup. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle écrivait 10 pages tous les jours. 10, 12 pages. Et puis, il y avait des moments où ça allait pas très bien. Elle s'est arrêtée pendant 2, 3 mois. Puis elle est partie à la campagne, elle a réécrit, puis elle a arrêté. C'est-à-dire tantôt elle y croyait, tantôt elle y croyait pas, je crois que c'est ça surtout. Et puis finalement, je crois qu'elle y croit pas, même maintenant. Mais c'est bien de ne pas croire trop à un livre, parce qu'elle démystifie un peu la littérature aussi, sa façon, je crois. Je sais pas, c'est trop compliqué pour moi, je suis pas assez intellectuelle pour vous répondre. Si, parce qu'il y a une petite griffe à l'éditeur aussi, à un moment donné. On va demander à Truffaut ce qu'il en a. Il l'a lu déjà, non ? Et oui, c'est probablement le seul livre que j'ai lu parmi ceux dont vous allez parler. Oui. Moi, je l'ai trouvé super, magnifique. J'ai regretté qu'il ne soit pas plus gros, plus épais, plus long. Oui. Parce qu'il ressemble à des gros livres, en réalité. Il ressemble à la première partie d'un livre qui serait beaucoup plus important. C'est alors ce qu'on peut penser, c'est qu'elle a un tel style, Patricia, qu'on aimerait qu'elle ait plus d'ambition maintenant. Hein? Oui, puis parce que ça, l'histoire se déroule sur une durée importante aussi. Et on aimerait entrer dans les détails, justement, je pense, comme Lucien Baudard, l'épisode sifflé est de loin
enfin celui qui me laisse le plus grand souvenir, et j'aurais voulu que tout le livre soit comme ça. Mais enfin, je crois qu'on aura la suite, enfin on devrait normalement avoir la suite, et puis même des retours, et même des flashbacks. Elle la promet, elle la promet. Il faut de la distance quand même. Dites-moi, François Truffaut, après ce Gaghetto de Patricia Finali, je suis un peu rapide, aujourd'hui nous allons être un peu rapides, parce que comme c'est la première émission, il y a tellement de livres, on en a mis partout sur les tables, on n'aura pas le temps de parler de tout. Vous avez fait une petite préface pour un livre qui paraît chez Albin Michel dans la collection La Vague, qui s'appelle Le Testament d'un cancre, de Bernard Goehr. Comment ça se fait, ça ? Aussi un premier roman. Oui. C'est ça, mais très différent, oui. Si celui-là, je ne sais pas, je ne veux pas jouer le critique littéraire, mais disons que si celui de Patricia est de l'école Céline, celui-là est de l'école Cocteau. Oui. C'est un livre, je suppose, écrit un peu en admiration, sinon en hommage à Cocteau, Radiguet, voilà, c'est tout à fait ça. Je l'ai reçu sous forme de scénario, même d'un début de scénario, et il m'a semblé plus littéraire que cinématographique, je ne sais pas, enfin, toujours est-il que j'ai écrit à Bernard Goehr, que je n'ai jamais rencontré parce qu'il habite Liège, je lui ai écrit, c'est peut-être pas un film, vous devriez peut-être continuer sous une forme de roman, puisque c'était écrit comme un premier chapitre de roman. Et puis, quelques mois plus tard, il m'a fait la surprise de m'envoyer le jeu d'épreuve en me disant qu'il était édité chez Albin Michel. J'ai écrit quelques mots comme ça, quelques petits mots pour vous raconter un peu l'histoire, la façon dont ce manuscrit était arrivé, sans aucune prétention, évidemment, à déborder sur le critique littéraire, parce que je ne sais pas ce qu'on pensera du livre. Moi, je le trouve touchant et sincère, et bien, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une première œuvre. Ça mérite bien de paraître dans une collection qui s'appelle La Vague et consacrée aux jeunes auteurs. C'est encore peut-être pas tout à fait abouti, mais il y a une promesse en tout cas. C'est-à-dire que c'est difficilement... Oui, ça peut pas être abouti parce que c'est ambitieux. C'est ambitieux aussi dans l'écriture. Voilà, ça n'est pas écrit absolument comme il pense. Il y a un grand désir d'élégance là-dedans. Et voilà, et quelquefois peut-être il y a des erreurs, je ne sais pas. Vous pensez qu'il vous l'a envoyé en pensant à Antoine Doinel ? Parce que c'est le personnage un peu l'âge des 400 coups. Enfin... Je suppose, puisque tout ça devait se passer il y a 2 ans à peu près. Oui, je suppose que c'est un peu plutôt en référence même, peut-être à Bézévoyer que les 400 coups. Je ne sais pas. Peut-être en référence à Doinel. Je ne me souviens pas de notre. Alors tout ça nous amène bien sûr aussi à une publication qui nous a surpris parce que François Truffaut nous avait proposé jusqu'à présent finalement des entretiens avec Hitchcock. Et là, c'est une œuvre d'auteur que vous nous proposez, mais à mi-chemin peut-être de la véritable œuvre d'auteur qu'on aura peut-être un jour. Je ne sais pas. Non, c'est pas une œuvre d'auteur, c'est pas un livre de littérature, c'est un livre. Vous savez, c'est un peu particulier en France, mais on le fait beaucoup en Amérique. Quoi qu'on l'a fait en France pour les films d'Ingmar Bergman, cela consiste à réunir les scénarios de plusieurs films en y adjoignant quelquefois le premier traitement ou des notes de construction qui donnent une idée voilà, sur la façon dont les choses se sont faites. Oui, alors il s'agit des aventures d'Antoine Doinel. Vas-y, Pierre. C'est comme ça que ce livre a 3 sous-titres, Les 400 coups, Baiser volé et Domicile conjugal. On n'a pas dit non plus que c'était au Mercure de France voilà, qui m'avait trop fait. Sous le titre général, Les aventures d'Antoine Doinel. Et est-ce que vous considérez ça au fond comme un roman ? Est-ce qu'on doit lire ça comme un roman ? Non, absolument pas. Non. C'est un document. Disons que les films aujourd'hui comportent une marge d'improvisation plus grande qu'autrefois. Je pense qu'on aurait pu éditer les scénarios de Prévert tels quels. Je pense qu'ils subissaient peu de modifications. Le scénario des Enfants du Paradis, par exemple, doit être semblable au film terminé. Aujourd'hui, les films subissent beaucoup de modifications au tournage et puis au montage. Le film fini, on n'a jamais d'état littéraire du film. Alors, ces scénarios, en réalité, sont reconstitués après coup, sur la table de montage, en regardant le film. Et puis, voilà, je ne pense pas que ce soit... Il ne s'agit pas du tout d'un genre littéraire, c'est un document. Ça peut servir d'outil de travail, si vous voulez, à des étudiants, des gens qui font des thèses, des gens qui cherchent, qui font des recherches sur l'élaboration des scénarios, voilà. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a là-dedans l'esquisse de scénario de L'amour à 20 ans. Et je dois dire que j'ai manqué L'amour à 20 ans, le film à sketch dans lequel vous aviez fait un des sketchs. Et j'ai lu donc ce texte, et j'ai trouvé extraordinaire l'esquisse qui fait 4 pages. Oui. Et je trouve que là, vraiment, on regrette presque que Truffaut n'ait pas le temps de faire un recueil de nouvelles, ou publier un roman. Parce que je trouve ça absolument merveilleux. En 4 pages, on a l'équivalent d'une petite nouvelle de Fitzgerald, par exemple. Oui, et le film, enfin, il n'était pas très difficile à faire. C'était un film de 25 minutes, mais il a été fait vraiment à partir de ces 4 pages-là. Il n'y avait rien d'autre. Enfin, les dialogues étaient improvisés, donc au jour le jour. Mais, enfin, c'est vrai, j'ai pensé déjà à ça, peut-être, à l'idée d'un recueil de nouvelles, comme ça, sur des choses anciennes. Moi, je crois que vous devriez le faire, parce que là, vraiment, il y a un style, il y a quelque chose qui va très vite.
cette histoire de ce garçon qui tombe amoureux de cette fille, qui finit par être invité par les parents, qui devient un ami de la famille, et finalement un soir elle s'en va avec un copain, avec un flirt, et lui reste avec les parents. C'est un raccourci merveilleux d'une histoire d'amour. Enfin, c'est très très beau. François Truffaut, comment est-ce que le cinéaste considère le roman? Parce que le roman va être au moins dans les premières semaines de l'émission notre sujet principal, c'est la saison du roman. Est-ce que le cinéaste n'a pas une sorte de, peut-être pas de mépris, mais de désintérêt envers le genre du roman? Justement parce que vous avez choisi de l'exprimer plutôt par le film. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours aimé les romans. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire autre chose que des romans. Seulement, je commence seulement maintenant à m'intéresser aux choses vraies, aux mémoires, aux souvenirs, aux choses comme ça. Mais sinon, je n'aimais que la fiction. J'ai toujours aimé les romans parce que c'était effectivement ce qui était le plus proche d'un film. Bien, vous êtes un grand découvreur de romans. Parce que j'aime les films qui ressemblent à des romans. Enfin, les films que j'aime le plus, je crois, sont les films qui comportent une grande part de commentaires, par exemple. J'aime beaucoup entendre de la littérature au cinéma en même temps, vous voyez. Alors non, je n'ai absolument rien contre les romans. En tout cas, François Truffaut, nous vous disons ce que nous disons à tous ceux que nous invitons ici. Lorsqu'il y a un livre que vous aimez beaucoup, vous venez un soir ici, un mercredi, vous venez avec nous et vous venez nous dire « je viens de lire un livre que j'aime beaucoup ». Comme ça, au dernier moment, vous pouvez toujours venir, vous serez bien accueillis dans cette émission. Et si d'ailleurs vous avez vu une critique qui vous a parfaitement énervé, parce qu'au contraire vous êtes tombé sur le livre et que ça ne vous a pas plu du tout, vous êtes également le bienvenu, puisque c'est aussi le rôle de cette émission. Pendant que nous y sommes, là, puisqu'il y a beaucoup de livres sur les tables, je voudrais tout de même dire ce qu'il y a. Il y a par exemple une nouvelle collection que publie Pierre Auray, qui s'appelle En Verve, et ce sont des mots, propos et aphorismes choisis de certains écrivains. Là, j'ai choisi Alphonse Allais et Paul Léoto. Parce qu'il y a un Vian aussi. Il y a un Vian et un Queneau. Moi, j'aime bien le Alphonse Allais et le Paul Léoto, ils sont assez rigolos. Oui, le Alphonse Allais, évidemment, c'est très facile, mais enfin, on s'amuse bien quand on lit extrait de 2 plus 2 égale 5. Moi, je suis un type dans le genre de Napoléon Ier, ma femme s'appelle Joséphine, et l'autre répond, moi, je suis un type dans le genre de Molière, je suis cocu. C'est facile, vous me direz, mais enfin, c'est de l'Alphonse Allais amusant. Et alors, il y a une autre collection qui vient de paraître chez Lafon, Connaissance de la sexualité. Ça amuse Patricia, vous allez le mettre dans le prochain livre. Non, pour dire aucun rapport avec la connaissance de la sexualité, nouvelle collection chez Lafon. Et je ne peux pas m'empêcher, je ne veux pas vous citer, c'est très, très respectable comme collection. Je crois qu'il faut vraiment donner des informations sur les maladies vénériennes, les hormones sexuelles, etc. On apprend des choses très intéressantes d'ailleurs sur la comparaison. Hein ? La disparition des maladies vénériennes entraîne la disparition du clergé. Oui, bon, ça aussi on pourrait en parler, mais il n'en parle pas là-dedans. Mais il y a une chose très assez amusante dans la maladie vénérienne, c'est traduit de l'anglais tout ça. Et à un moment donné, on nous parle des symptômes d'une maladie, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, et on nous dit qu'il y a, pareil, une certaine grosseur de la taille d'une balle de cricket. Alors, j'ai trouvé ça assez drôle, parce que je crains que le lecteur français soit un peu affolé, n'ayant sans doute jamais vu de partie de cricket. Enfin, c'est tout de même une collection que nous signalons, Connaissance de la sexualité. On vous parlera de Michel Déon la prochaine fois, c'est Michel Tournier qui va nous parler des poneys sauvages. Puis il y en a d'autres, on vous en signalera. Et maintenant, on pourrait en venir à nos deux autres invités. Pierre Lattès, tu pourrais te tourner vers... Je vais me tourner vers eux. J'ai également ce livre en main. C'est aussi un premier roman, nous ne le faisons pas encore exprès. Ça vient d'être publié chez Robert Laffont, ça s'appelle Voronej, et l'auteur en est Nella Bielski. Et alors, comme il s'agissait, c'était le jeu de l'émission, que Nella Bielski trouve un supporter, elle l'a trouvé sans aller fort loin, elle l'a trouvé en la présence de son cinéaste critique et mari, qui est Michel Cournot. Et c'est lui qui va donc parler du roman de sa femme, de ce Voronej de Nella Bielski, chez Robert Laffont. Et je dois vous dire d'abord que si vous connaissiez le caractère de Nella et sa nature, les mots de mari et de femme ne conviennent absolument pas. Tout ce qui est conjugal lui fait horreur. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a indiqué qu'elle était en train d'écrire le livre, parce que la maison, elle y est presque jamais. Elle disparaît des semaines, des mois, ou alors quand elle y est, il y a 300 personnes, des Soudanais, des Russes, qui sont là de passage. Et l'année dernière, elle était à la maison. Et je me demandais ce qu'elle y faisait. Tout simplement que c'était l'endroit le plus tranquille quand même pour écrire. Alors quel est ce... Il faudrait peut-être s'en raconter l'histoire, parce qu'on ne va pas raconter l'histoire. Non, on ne va pas raconter l'histoire, mais d'autant plus que l'histoire est racontée par un homme qui est français, qui est journaliste. Tout ça est un peu curieux et qui ne casse rien lui-même. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été naturellement très sensible à ce livre parce que, vous comprenez, c'est tout ce que je trouve beau en littérature. Ça arrive au lecteur. Ce n'est pas de la lecture.
Le papier, le caractère disparaissent complètement, y compris l'acte mental de lire. C'est une suite de surprises. C'est un livre qui fait des surprises au lecteur, qui lui fait des sortes de cadeaux, des émotions, d'une façon très simple, sans prétention apparente. C'est du roman de gare, vraiment, si l'on veut, comme on en faisait dans les années 30, mais c'est de la poésie. Et je crois vraiment très belle, parce que très simple. C'est vraiment le livre d'émotions merveilleux qui, en plus, raconte des choses extrêmement graves, en fait, puisque cette histoire d'amour se passe au moment où la terreur commence à monter sous Staline. Oui. Mais vous, Michel Courneau, étant vous-même écrivain, est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de dire « Ah ben moi, je ne ferai pas la phrase comme ça, je corrigerai ci, je re-raillerai je... » Ce qui m'est arrivé, j'ai été jaloux de certains personnages, alors que ce n'est pas tout à fait mon caractère. Il y en avait que je trouvais trop bien, les garçons. Et puis je me demandais d'où ils sortaient. Réponse donnée la Bielski tout de suite. Et puis... Non, c'est un personnage qui s'appelle Christopher Avancet. D'ailleurs, il existe dans le livre. On le voit à un moment donné, mais ça est devenu vraiment un fantôme. Je considère que je l'ai raté totalement, mais c'est à cause de lui. Parce que je me suis entraînée à faire un personnage de mes rêves, vraiment un homme extraordinaire, anglo-saxon, évidemment. Et voilà, il devait arriver en Géorgie alors que personne ne l'attendait. C'est un monsieur très, très bizarre qui connaissait des langues que, par exemple, ne parlaient vraiment toutes 200 personnes au monde. Et avec tout ça, il était d'une laideur prodigieuse. Alors tout ça, ça m'est d'une telle laideur que c'est absolument vrai. J'ai été sûre que quand il sortait dans les rues d'Oxford, évidemment, des enfants doivent courir derrière lui, crier que c'est presque un singe qui se promène. Et je voulais faire de cela un personnage. Tout ce que je vous dis, ça existe dans le livre, mais c'est complètement raté. Et pour une simple raison que je donnais, à partir d'un certain moment, je commençais à lui donner à lire. Justement, à mon passage en Géorgie, c'était le moment où je lui donnais à lire à Michel. Et quand il a lu, il a dit « c'est absolument pas possible ». Il m'a fait des véritables scènes absolument démentes, en disant d'où il vient, qui est-ce. Alors que vraiment, c'était un type complètement inventé, comme tous les personnages de mon livre. Vraiment, vraiment fait de toutes pièces, si vous voulez. C'est tout simplement parce que je le trouvais littérairement mauvais. Alors je me suis dit « j'ai raté ». Si, j'ai raté, je me suis mis à le fignoler, je me suis mis à lui donner des petites airs comme ça, correct, si vous voulez. Enfin, et je le ratais. Il est complètement avorté. Il existe, mais comme ça, de passage. Mais dites-moi, le fait que l'histoire soit l'histoire d'un journaliste français qui fait la connaissance d'une Russe pendant un voyage en Union soviétique, il y a quand même un parallèle qu'on peut faire avec le mariage Michel Courneau et la Bielski. Vous êtes quand même connus de la même façon. Non. Il n'y a aucun rapport. Dans ses livres, il n'y a aucun rapport ni entre moi ni Michel. Paul, il le dit à juste titre, il fait une... J'aime beaucoup, ceci dit, mon Paul, mais c'est pas du tout Michel, c'est pas du tout. On pourrait peut-être se tourner vers le public. Est-ce que quelqu'un a lu le livre déjà Voronezh ici? Je crois que... Moi. Crois que oui, Jacqueline Bard aussi. Il y a deux lecteurs. Jacqueline Bard d'abord. Moi j'aime beaucoup, mais je me demande, comme je connais Nella, et je me demande si je ne le vois pas à travers elle. Ouais. C'est ça, alors je suis très mauvais juge, je ne peux pas être bon juge. Ouais. Pour moi, c'est Nella qui raconte une histoire, alors c'est évidemment... C'est... Ouais, tu aimes tout, tu aimes tout. Tout à fait dans l'esprit de l'émission, on a demandé... Alors, on la voit très bien, on la voit très bien dans les années 30, en train de traîner les châles de Yayana et de séduire tout sur son passage. Ça, c'est normal. Nous avons demandé à un critique de la forme picturale de lire un livre. Et c'était Voronezh, c'est Olivier Nanteau. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre de Nella Bielski? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, je suis content que Michel Courneau ait dit que c'était un livre sans prétention. Parce que je crois qu'il faut surtout... C'est vraiment un livre très léger, qui se lit très vite, d'où sortent quelques images, quelques personnages, comme ça, qui sont assez bien détaillés. Mais c'est un livre très rapide, enfin, qu'on survole très rapidement. On a quelques images qui montent. Et puis, ensuite, moi, je voudrais dire, justement, à propos de l'assimilation qu'on peut faire des deux personnages du livre à Michel Courneau et Nella Bielski, que moi, je ne les connais, l'un et l'autre, que par ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire Courneau comme critique de cinéma, comme cinéaste, et Nella Bielski, que j'ai vue dans le film de Michel Courneau, Les Couloirs Bleus. Et on a assez l'impression, quand même, que les deux personnages
l'homme et la femme se greffent sur ce que représente aux yeux d'un certain public l'image de Michel Courneau et Nella Bielski, faisant pour Courneau les critiques qu'il fait, jouant pour Nella Bielski comme elle joue. On a assez tendance à les replaquer l'un sur l'autre, même si c'est pas vrai, c'est l'idée qui vient à l'esprit. Michel Courneau, quels sont pour vous les gens qui n'aimeront pas ce livre? Ah vraiment? Alors, à propos des messages, je vois pas. Peut-être des types complètement intoxiqués par le mental, tel quel, les gars de tel quel, mais pas plus. Pas plus, c'est tout. La semaine prochaine. Ah non, je suis très aimé par tel quel. Ah bon? On lui demandera la semaine prochaine. Bon, ben, je crois qu'après Voronezh, Nella Bielski, nous allons passer à quelques autres livres. Sur cette table, nous avons un énorme bouquin, c'est le Jean-Pierre Chabrol, qui pèse son kilo. Le canon Fraternité, oh, ça fait même plus d'un kilo, mais plus. Nous en parlerons dans 15 jours à l'occasion d'une émission sur la Commune, Canon Fraternité, dont Cécile Saint-Laurent sera aussi un des invités. Oui, puisqu'il a lui-même écrit La Communarde. La Communarde. Il y a une collection Tarzan, dont on parlera, je crois que Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, beaucoup ça. Le petit colonel de Jacques Florent, Jean-Louis Curtis en poche, Claudel, Paul Morand, Monte au ciel, Boris Vian, Les Fourmis, Gilles Sandier, qui a publié Le Théâtre et Combat, critique de théâtre, Jean-Yvan Les Pèlerines. Et puis maintenant, on va se tourner vers un autre coin de notre table. Une table très fournie, d'ailleurs. Oui, là, on va parler d'un autre livre, d'un autre genre de d'ouvrage. Avec Jacqueline Barre, j'ai pas dit tout à l'heure que vous étiez critique de Elle et que vous étiez aussi critique de plusieurs journaux professionnels pour les libraires, d'où votre influence considérable, d'ailleurs. Si, 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 elle est très, très réputée, très... On a très peur de vous, je crois. Oh oui, je fais ce que je peux. Il y a des attachés de presse de maison d'édition derrière qui ont très peur. Qui tremblent, d'ailleurs, regardez-les. Oui, oui, Claude Delator, Monique Maillot. Claude Delator, c'est les éditions Flammarion. Monique Maillot qui me tourne la tête le dos, c'est les éditions Grasset. C'est même Jean-Noël Le Tour chez Larousse. Et Jean-Noël Le Tour chez Larousse. Lui, c'est un pays, il ne risque rien. Bon. Merci, Jacques. Alors, autour de... cette table de bar, là, de bistrot, ils ont bien bu, ça va, vous avez encore soif? On va parler maintenant d'un autre livre que je vais vous montrer. C'est La guerre de JMG, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Je vous le mets, je vous le montre comme ça. Voilà, La guerre. Collection Le Chemin Gallimard. Vous le voyez comme ça? Ouais. C'est le sixième livre, je crois, de Le Clézio qui a eu en 1964 le prix Renaudot pour le procès-verbal. Voilà, moi c'est un livre que j'adore énormément, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent. Et alors, comme Le Clézio est un écrivain considéré par certains comme difficile, on va peut-être essayer d'expliciter un peu ce problème. Alors je voudrais d'abord demander, nous avons deux étudiants qui l'ont lu. Comment vous appelez-vous? Jean-Marc Canassia. Bon, et Francis Affermier. Bon, vous l'avez lu tous les deux et vous n'êtes pas tout à fait du même avis. Qu'en pensez-vous? Non, personnellement, effectivement, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce livre. Parce que bon, dès la lecture... ce livre m'a fait vraiment un choc très important parce que j'y ai retrouvé un petit peu tous les fantasmes, toutes les obsessions qu'on peut retrouver lorsque l'on se promène, lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on rentre dans des immeubles, lorsque l'on va faire le marché dans un supermarché ou comme ça. Et j'étais extrêmement impressionné par ce livre parce qu'effectivement, à certains moments, on se retrouve un peu dans la situation de l'héroïne qui est de rechercher son identité à travers les signes qui sont divulgués, rechercher son identité... son existence, son insertion dans une certaine forme de société qui nous a été balancée comme ça après la guerre et dans laquelle on arrive, dans laquelle on est complètement étranger, où on essaye quand même de trouver quelque chose qui nous ressemble, des signes naturels, des signes qui n'ont pas été subvertis et monopolisés par certains. Mais c'est un livre, en fait, qui débouche sur une espèce de destruction, une volonté de destruction totale, parce qu'aucun signe, ou du moins, ils sont trop faibles, ne peuvent nous satisfaire, ne peuvent nous aider à nous reconnaître essentiellement dans cette société qui a été construite sans nous, qui a été construite non pas pour nous, mais presque contre nous. Et bon, enfin, ça nous amène à l'anarchie ou à la mort, enfin. Oui, mais vous avez l'air de dire qu'elle a été construite, on ne sait pas par qui. En réalité, au fond, on a l'impression pendant Le Clézio qu'elle a été construite par une espèce de nature, par un inconscient à la fois à l'intérieur de l'homme et de la nature qui fait cette espèce de construction, c'est ça que vous avez dit ? Non, pas vraiment. En fait, il parle souvent de rechercher les plans qu'un démiurge aurait fait. C'est-à-dire qu'il dit souvent, effectivement, quels sont les plans du monde ? Au fond, qui s'est amusé à faire ce monde ? Serait-ce un fou, enfin, c'est ça qu'il recherche, au fond. Et il arrive à un moment donné où il parle de trois mythes, dont le mythe du monopole, qui est extrêmement important, je crois, parce qu'après cela, il y a une cassure, comme si c'était effectivement un démiurge qui avait organisé ce monde comme une forme de folie et de violence entre chaque être, dans chaque situation, et que l'héroïne ne peut pas comprendre et ne veut pas comprendre, parce que si elle le comprenait, ce serait sa propre mort.
et contre cela elle ne peut rien faire. Alors je crois que justement que ce livre est un peu suicidaire parce qu'il nous offre deux solutions, soit la mort de la société, soit sa propre mort, soit détruire tout totalement, comme il le dit à la fin du livre, en rêvant, c'est-à-dire tout brûler, tout casser, parce qu'on n'y a pas notre place, et parce qu'elle a été faite sans nous et contre nous. Soit, bon, alors la révolte, dirons-nous, presque hippie, enfin c'est une sorte de mort, quoi, partir, et puis tout laisser tomber. Et bon, alors ça m'a donné un choc. Mais je crois que cette forme d'analyse de la société nous pousse plus ou moins à nous mordre la queue, parce que finalement on revient toujours au point de départ, parce que dès le départ, Béatrice sait qu'elle ne sera jamais comment s'identifier. Elle ne trouvera jamais les signes. Il le dit dès le début. Et ça, vous abordez déjà un aspect plutôt négatif de votre critique, et je crois que c'est plutôt cet aspect-là que vous voulez souligner. Ben, j'aimerais souligner deux choses. D'abord, que l'écriture, enfin, du point de vue de l'écriture pure, je trouve ça assez faible. Enfin, c'est une écriture neutre qui ne fait que décrire, décrire l'objet du monde, décrire des signes, tandis qu'elle n'écrit pas elle-même. C'est une écriture un peu de la nullité. Et puis, du point de vue des idées, ben, ma foi, il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis les autres livres. À part peut-être une espèce de... un recensement du monde, on dirait qu'il est allé avec un carnet et avec un papier dans tous les livres. Il est allé. Et puis, il a écrit sur un carnet. Il a écrit les boîtes de conserve, il a écrit les tubulures de voiture, il a écrit tout ce qu'il a vu. Et puis, ça ne débouche sur rien. C'est-à-dire, on finit le livre, on est déçu parce qu'on se demande où il va en venir. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce livre? On ne sait pas. C'est un livre poétique. Moi, je crois que c'est une gigantesque allégorie. Parce que la seule chose qui semblerait intéressante, c'est le rêve. Enfin, l'espèce d'allégorie qu'elle fait. B.A.B., je parle de l'héroïne de la guerre. Entre parenthèses, la guerre, c'est la lutte. Enfin, c'est le monde dans son agressivité et sa violence. C'est la concurrence que chacun fait à chacun en voulant exprimer son moi. Par rapport à une individualité qui est celle de l'Ecclésio. Très narcissique d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas, au point de vue de l'écriture, justement, que des écrivains américains comme William Burroughs ont été beaucoup plus loin dans ce sens de l'Ecclésio et avant l'Ecclésio? Absolument. Nanto veut intervenir. Absolument. Oui, parce qu'on a souvent enfin retrouvé chez l'Ecclésio une certaine similitude avec les peintres pop américains. Il y a peut-être quelque chose de ça dans cette manière de montrer brut des produits de civilisation et puis de les montrer et c'est tout. De les montrer dans un contexte différent de celui qui est le... Jacqueline Barge, vous devez écouter ça sans grande passion, parce que je crois que l'Ecclésio ne vous touche pas profondément. Absolument pas. Pour moi, c'est l'Ecclésio, c'est le design en littérature. Ouais. C'est quelque chose vous de très... Vous n'avez pas le design. J'apprécie. J'aime mieux Chesterfield. Mais je trouve que l'Ecclésio, vous voyez... c'est quelque chose, il ressemble à ses livres et les livres lui ressemblent. C'est quelque chose de très beau, mais on ne voit pas l'usage qu'on peut en faire. Et c'est presque un produit de luxe, très aseptique. On le voit très bien sous cellophane. Oui. Alors, si vous voulez rêver sur ces livres, vous pouvez prendre une phrase. Je suis au contraire de monsieur, je trouve que c'est admirablement écrit par moments. Pas toujours, par moments. Il y a de très belles phrases, il y a des choses. Mais c'est presque de la poésie futuriste. Vous savez, c'est de l'art abstrait. Alors, vous pouvez très bien rêver sur un tableau abstrait. Pas sur tous, il suffit que ça vous plaise. Sur une page de l'Ecclésio, chaque page de l'Ecclésio, chaque phrase, chaque idée de l'Ecclésio, il y a un tableau abstrait. Vous aimez, vous n'aimez pas. Vos voisins ne sont pas du tout d'accord avec votre analyse. Je voudrais préciser que le pop-art américain est tout à fait figuratif. Il représente des choses. Bon, le temps passe très vite sur l'Ecclésio. On a encore beaucoup de choses à dire. Alors, on va faire tout de même le tour de la table. Oui. Pierre Bourjade, qui partageait mon enthousiasme, je crois, pour le livre. Oui, Pierre Bourjade, l'écrivain et le dramaturge, jouant aujourd'hui aux critiques littéraires. Oui, Les Immortels, dites-moi, j'ai lu dans le journal que finalement la mise en scène était retardée, là. Oui, parce qu'on va le reprendre dans une autre formule, je crois, avec Jean-Marie Serrault. Ah bon. Et en attendant, vous êtes en train d'écrire un scénario d'après la Rose que vous avez publié il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Bon. Vous êtes très au courant. On lit les journaux. Bon, revenons à la guerre. Alors, ce livre, je crois que ceux qui en ont parlé ont bien mis en relief tout le contenu de ce livre. Et je crois que c'est intéressant quand un livre suscite des idées très opposées. Parce que ce jeune homme a montré quel choc il avait ressenti en lisant le bouquin de l'Ecclésio. Puis il y a eu deux voix contre. Et j'ai très remarqué que Mme Jacqueline Bard elle-même, dans son propre exposé, a exprimé des idées absolument contradictoires, puisqu'elle a dit d'abord que c'était du pop art. En effet, vous avez... Ah non, c'est pas du pop art, c'est l'art abstrait. Le bouquin à la main, vous avez des photos. Je crois qu'il faut les montrer. C'est une chose nouvelle chez les romanciers qui se méfient de l'image. L'Ecclésio a mis des photos qui représentent assez bien certaines obsessions de son livre. Et moi, je crois que ça débouche sur...
Hein? Je dis, c'est pas nouveau. Elsa Triolet et tout le monde l'a fait. Ah oui, Cournot, tu as raison. Oui, c'est vrai. Elsa Triolet l'a fait, mais... Et puis il y en a bien d'autres. Et puis c'était de l'art abstrait. Ouais. Dans l'amour fou. Tu n'aimes pas les histoires de Michel? Ah, je rio, j'en parle pas. Tu n'aimes pas l'occasion? Non, ça se... Je ne dis rien. Bon. Tiens, Bourget, continue. Alors voilà. Alors ça s'appelle La Guerre. Au fond, c'est une histoire très simple. C'est une femme qui est dans une ville. Et je crois que la guerre est dans la ville. Ouais. Cette femme s'appelle Béaba, c'est un nom qui n'a pas été pris au hasard, c'est un nom très élémentaire, ce sont les deux premières lettres de l'alphabet. Et je crois qu'en effet, toutes les femmes et peut-être tous les hommes sont ce personnage. Luclisio a supprimé le personnage, il n'y a pas une personne qui vit, qui a une aventure personnelle, c'est à la fois l'aventure d'une personne et c'est l'aventure de toutes les personnes. Alors cette femme est dans cette ville, elle est avec un ami qui s'appelle Monsieur X, qui a une moto, et il tourne dans cette ville. Et alors, en effet, comme vous l'avez dit, ils vont dans les prisonniers, ils vont dans les aéroports, ils vont dans sur les autoroutes. Et au fur et à mesure qu'ils se promènent dans cette ville, ils subissent toutes les agressions qui se passent dans une ville. Et je crois que quand un roman est un grand roman, comme ce livre, on ne peut pas dire que ce livre copie la réalité, mais c'est la réalité qui se met à ressembler au roman. Mmh. Un des moments les plus importants du bouquin de Luclisio, je crois, c'est la description de l'aéroport. Mmh. Il montre que quand on va dans un aéroport, on est dans un monde de béton et que là, il peut arriver les pires catastrophes sur les gens. Et au moment où je lisais ce livre, il y avait eu ce fait divers, je ne sais pas si c'était ça un fait divers, c'est-à-dire ces gens qui ont été prendre l'avion dans un aéroport, qui se sont retrouvés le lendemain dans le désert, qui trois jours après se sont retrouvés on ne sait pas trop où, et puis ils s'en sont sortis, mais il y a eu un certain nombre de jours pendant lesquels on ne savait pas s'ils allaient s'en sortir. Et je crois qu'ils sont passés de leur vie personnelle, avec leurs petites histoires, leurs rendez-vous, leurs femmes qui les attendent, leurs affaires qui les attendent, etc., plongés dans un univers qu'ils n'attendaient pas, mais qui, lui, les attendait, et qui était sur le point de les massacrer. Bon, ils s'en sont sortis, mais ils n'auraient pas pu s'en sortir. Et dans le bouquin de Luclisio, il y a ça. Et alors, on retrouve dans ce bouquin, qui est son septième livre, mais qui, je crois, est son livre le plus fort, on retrouve cette technique qui fait de lui, je crois, le romancier peut-être le plus puissant de notre époque, c'est-à-dire que c'est un type qui, à la fois, peut rentrer dans le détail le plus infime. Il y a deux catégories d'écrivains. Il y a celui qui fait du pointillisme, qui décrit le petit point, le petit verre ou la table de bistrot. Et puis, il y a celui qui brasse les idées. Et Luclisio, il a tout. Il peut dépeindre une ampoule électrique ou une fourmi ou un rat. La mort d'une mouche, et ça prend 40 Baudelaire pages. L'avait fait avant, ça devient. Oui, mais oui, tout a été fait, cher Dominique Deroux. On se fout de M. Luclisio. D'accord. On se fout de Paul Morand. C'est ça le problème. Mais je vais finir. On va parler après. Je vais finir. C'est ça le problème. Mais je voudrais dire la seconde chose. Votre discours, on s'en fout. Aussi. Alors, d'une part, il. Profondément. Il montre des toutes petites choses. La mort. C'est un produit de la société de consommation. Vous ne faites qu'ajouter un discours vaseux auquel on ne comprend rien, parce que c'est une histoire qui ne nous intéresse pas. Mais non, Dominique, c'est l'histoire de l'apocalypse de notre époque. Mais qu'est-ce qu'il en connaît, ouais. Qu'est-ce qu'il connaît l'apocalypse? Mais il l'a ressent, lui. Pourquoi appelle-t-il ça la guerre? Il a fait la guerre. Je vais vous dire quelque chose. Pas cette guerre-là, justement. C'est des choses de beaucoup plus graves et beaucoup plus profondes. Michel Pollard. Justement que cette littérature, aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire J'ai un très bon argument contre Dominique Deroux. Il y a Lucien Baudard qui est là. L'année dernière, il a publié un bouquin formidable sur le massacre des Indiens. Mais justement, il a raconté. Vous ne comparez pas Baudard avec M. Leclerc. Laissez-moi finir, quoi, zut. Alors, il a publié un roman sur le massacre des Indiens. Un roman. M. Baudard a été. Mais laissez-moi finir. Mais Leclerc aussi, il est en train de Attendez, il a publié un livre sur le massacre des Indiens. Vous ajoutez au mensonge. Et il a raconté comment les Indiens étaient massacrés. Et Leclerc a écrit un article fantastique sur le bouquin de Baudard. Mais on s'en fout, vous faites de la littérature sur ce qui n'est pas de la littérature. Mais laissez-moi parler. Alors, on n'est pas à tel Mais qu'est-ce qu'est la littérature? On n'est pas à la quinzaine. Le discours de M. Bourget. Il a expliqué comment les gens qui tuent les Indiens se tuent eux-mêmes. C'est-à-dire que d'une part, Leclerc qui aime les Indiens, qui va vivre avec eux, qui fuit cette société a rendu compte de la tragédie que racontait Baudard, et en plus, il a montré que cette tragédie, c'était la tragédie de chacun de nous. Et je crois que la tragédie de chacun de nous n'est pas celle-là, mon cher. Mais qu'est-ce que c'est, Dominique? Baudard a raconté la tragédie qu'il a vue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois qu'on ne sait plus le temps à la littérature. Nous avons tous des problèmes, je dirais même, si vous voulez, moi qui suis éditeur, ce que je souhaiterais pour ne plus parler de littérature qui nous emmerde, n'est-ce pas, cher monsieur, ça serait peut-être, je dirais, de publier les fragments de tous les manuscrits que nous, éditeurs, par formation et par tradition, nous refusons. N'est-ce pas, je crois qu'il y aurait une extraordinaire expérience de faire venir un jour ici, cher ami, les gens que tous les éditeurs refusent et qui, comme dans les lettres d'amour, n'est-ce pas, publient un petit fragment, n'est-ce pas, quelques lignes un peu chaloupées qui ne sont pas, n'est-ce pas, comme disait Madame Bard, le cardin de M. Luclisio. Amenez vos livres, mon vieux, pourquoi vous ne l'avez pas publié? Je dis pas si vous l'avez publié, vous le trouveriez très bon. Je dis, vous regrettez d'avoir pas publié. Réunissons ici les manuscrits refusés, les gens
les gens dans l'échec, n'est-ce pas, et d'avoir un manuscrit refusé ad vitam aeternam. Eh bien, amenez vos auteurs, voilà. Vous avez l'échec. Je propose à M. Michel Pollack un jour de faire une émission avec des gens qui auront justement quelque chose de vraiment à dire, même s'il y a trois livres dans 500 pages, où on ne parlera pas, n'est-ce pas, de l'attitude de je sais pas, de la Quinzaine ou de Art ou du Figaro littéraire dont on s'en fout. D'ailleurs, si le Clésio avait eu le physique. Mais j'attaque pas le Clésio. Mais non, mais écoutez, si le Clésio n'avait pas eu un physique de Playboy, il n'aurait pas eu. Mais je n'attaque même pas la scène. Mais il y a ça aussi. Non, mais je crois que M. Godard a compris que soudain lui aussi le cinéma devait évoluer, n'est-ce pas? Non pas qu'il ait abandonné le cinéma, mais il a fait rentrer le cinéma dans le souterrain. Et je crois que M. Truffaut qui est là, lui-même quitte le cinéma. Oui, après pour la littérature, fait, non, pour un délit. Après avoir fait un cinéma à biscotte, biscotte et à cafiolet pendant 20 ans, soudain lui aussi il sort et revient, n'est-ce pas, peut-être au Truffaut que nous avons aimé, c'est-à-dire le Truffaut critique, le Truffaut qui se fout un peu. Moi, 2012, je dirais que je vois un film avec la guerre et j'avais un tour des articles. Alors je crois que non seulement c'est le livre de la saison, mais c'est le livre de l'époque, en effet. Bien sûr, c'est le livre de l'époque. Certainement. On peut le rapprocher de l'alphabet de Godard. Non, exactement. Mais non, c'est bien plus fort. Mais, si, mais pas aucunement, n'est-ce pas fort. Mais pas du tout. Il y a un côté polmorant, léché, littérature, c'est illisible. Qui peut lire aujourd'hui? Personne n'a le temps de lire. Vous mais pas lire vous. Je sais bien que vous ne lisez pas. C'est Michel Gourmand. Je te réponds pas, t'es toujours malin comme un singe. Tu t'es débrouillé pour que cette émission roule en très très grande partie sur un livre imbuvable, qui est celui que tu aimes, toi. Ça fait une demi-heure qu'on en parle, que c'est mortel d'ennui. Ça commençait d'une façon drôle, vivante. Quand Truffaut parle d'un type sur lequel il a fait une préface ou qui parle de ses films, qu'est-ce que tu veux? J'écoute. Quand Godard parle, j'écoute. Bourgeat, je peux pas entendre ça. C'est mortel d'ennui. On retrouve tout l'ennui des émissions littéraires que nous haïssons. Passe à autre chose. Bon, et bien, ça suffit, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, il ne nous reste que quelques minutes et je crois que Jacqueline Bard voulait passer à un autre livre. Alors je dis quand même que La guerre et Bourgeat et moi, on aime beaucoup ça. On n'a pas pu remarquer. C'est la joie des éditeurs. Bon. Alors, Jacqueline Bard, il vous reste deux minutes pour nous dire que vous aimez beaucoup Love Story. Moi, j'aime beaucoup Love Story parce que c'est un livre simple. Oui. Et moi, vous savez, je suis une bonne femme, alors je ne suis pas très intelligente. J'aime qu'on m'explique les choses, j'aime tout comprendre. Oui. J'aime que les gens soient sympathiques. Oui. Qui soit jeune, qui soit beau, c'est le cas. Oui. C'est le cas. Qui parle franchement, c'est le cas. Qui est. Et ben vous savez, comme j'ai la hantise d'écrire court, parce que dans mes petits journaux, je suis bien obligée, ben je trouve que c'est le chef-d'œuvre du genre. Oui, parce qu'on ne consacre pas assez de place à la littérature dans elle. Voilà. Love Story, ça paru chez Flammarion. Chez Flammarion, et c'est une histoire d'amour pour les millions de lecteurs, dit la bande. Courneau, t'es pas content non plus, là. Comment veux-tu que je sache? J'apprends que c'est un livre. Ça fait un mois que je croyais que c'était une marque de chaussettes ou de sous-vêtements. Mais tu as essayé de lire. Mais je savais pas que c'était un livre. Bon. Est-ce que quelqu'un a lu ce livre, Elisabeth? Moi, j'ai lu ce livre. Alors, j'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que c'était d'abord trop facile de faire pleurer les gens avec l'histoire de, d'un jeune homme qui aime une jeune fille. La jeune fille est pauvre, le jeune homme est riche. Et puis alors le jeune homme épouse la jeune fille, et la jeune fille meurt, et alors tout le monde pleure. Et alors à partir de ça, bon, on peut faire n'importe quoi. Je veux dire que dans les deux, on retrouve les mêmes choses. Justement, on peut pas faire n'importe quoi. C'est ça qui est très beau, ce bouquin de Segal. Et je crois que la littérature, c'est toutes les portes ouvertes et celles que Dominique Drou laisse fermer qui restent derrière. Bon, Pierre Bourgeat aime aussi Love Story. Évidemment. Bon, je vous laisse. Mais Télé, c'est très beau. C'est un histoire de fleurs bleues. Qu'est-ce qu'il y a, on nous dit derrière? C'est une histoire de fleurs bleues. C'est une histoire de fleurs bleues. Et moi, c'est-à-dire que dans l'Amérique de la violence, c'est assez surprenant qu'on nous cache la violence de l'Amérique. Moi, justement, c'est une espèce de révolte. Non, ce que je voulais dire, moi, que je n'ai pas pu dire tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup Patricia Finali. J'ai lu son livre, je l'aime beaucoup. Je vous remercie. Je tiens à le dire publiquement. Parce que vous l'avez enfin, évidemment, vous étiez aux antipodes là-bas. J'ai pas pu le dire, mais j'aime beaucoup son livre. Parce que je trouve qu'il y a une parenté en plus. Ouais. Mais alors, c'est une parenté avec qui? Avec Love Story. Oh là là. Mais il y a une parenté qui va encore plus vous dégoûter. C'est que vous, à mon avis, que vous suis contente d'avoir des parents, vous voyez. Vous avez une parenté avec les premiers anneaux, l'hermine et la sauvage. Votre fille, ah oui, eh ben oui, la fille qui crache sur tout le monde, qui dit ah ouais, parce qu'elle a terriblement. Mais je crache pas sur tout le monde, je dis la vérité. Vous faites votre petite Zazie, et alors vous ne voulez surtout pas ni aimer ni qu'on vous aime parce que vous ne voulez surtout pas faire. Mais moi je veux quand même, je ne demande que ça, c'est pas vrai. Je veux qu'on aime mon livre d'ailleurs, je suis très contente. Malheureusement, le temps est passé plus vite que nous le souhaitions. Nous aurions encore beaucoup de choses à dire et nous avions encore beaucoup de livres dont nous voulions parler. Nous en reparlons la prochaine fois. Vite un titre de policier, Jean-Claude Silberstein, quand même. Eh bien, celui de Geoffrey Holmes, qui a été réédité à la Poche Noire, c'est Pendez-moi au écou, dont Jacques Tourneur a tiré un film avec Robert Mitchum dans le rôle de Brett Bailey. Je vous conseille vivement d'aller voir.
et sinon de dire oui. Bon, eh bien, merci Jean-Claude Silberstein, nous en reparlerons plus longuement. C'est une émission en direct, alors bien sûr, certains n'ont pas le temps de dire tout ce qu'ils voulaient dire. Il y avait encore beaucoup de livres, on n'a vraiment plus le temps. On a le temps de dire deux petits mots. Pierre, la prochaine fois, tu parleras de Topor, on parlera de James Baldwin, on parlera de Michel Tournier, le roi des zones, nous parlerons de Rezvani la semaine prochaine. James Baldwin qui va nous voir. James Baldwin viendra nous voir dans 3 semaines. La semaine prochaine, Rezvani viendra et on parlera aussi du livre de Guyotta avec Philippe Solers et Piotr Avitch. Alors, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 22h40. Vous voulez remercier les invités qui sont venus ce soir. Nous remercions nos invités à cette première émission. Nous donnons rendez-vous mercredi prochain et écrivez-nous à Postscriptum 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, si vous voulez venir à cette émission. Et maintenant, je crois qu'il est malheureusement temps de se séparer, de vous dire bonsoir et même à cette heure-ci, bonne nuit, je crois.